bonjour madame. Bonjour. Donc oui, vous êtes originaire de Bourges et vous avez rencontré le... Enfin, vous avez connu le festival à ses débuts. Oui, 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 je suis effectivement originaire de Bourges. J'ai connu le festival dès ses débuts, au point de vue animation, commerçant. Certes, c'est quand même très intéressant. Mmh. Et au point de vue aussi logement, parce que nous, on a connu les débuts où ils se logeaient un peu n'importe où, par terre, dans les pelouses, où ça n'était pas du tout organisé. Oui, encore, hein, nous, on a vu... Ils ont prévu, enfin, ils les logent quand même au niveau du terrain de camping et aux alentours, mmh. où c'est quand même plus ciblé. Bon, il y a aussi des logements, je sais, dans les écoles ou les gymnases. Mmh. Et puis après, pour les autres personnes, évidemment, hôtels ou chez les particuliers. Mais les départs étaient plus folkloriques et il y avait plus d'animation dans les rues. Il y avait carrément des animations. Comment je vais vous expliquer des groupes qui jouaient, ils se promenaient carrément dans les rues toute l'après-midi. C'est beaucoup plus canalisé. Et là maintenant, c'est vraiment canalisé. Et il y a aussi les questions de sécurité parce que là, ils étaient dans les rues et nous, on circulait aussi en même temps qu'eux. Donc on pouvait les voir. Je vous dis ça puisque je circulais, donc on les voyait, on les écoutait. Mais bon, ça, après, il a fallu canaliser. Et c'est pour ça que maintenant, tout est bien fermé, bien canalisé, tous les groupes qui passent ont bien leurs horaires, leurs endroits définis. Non, maintenant, c'est très bien. Et c'était en off, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait un festival off-off, où ils jouent carrément sur le parking, etc. Voilà, oui, mais ils jouent, voilà, ils jouent comme ça sur... enfin, ça aussi, c'est accrédité, donc il y a aussi des autorisations. Mais moi, j'ai connu les débuts où... Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait dans les rues. C'était vraiment du folklore. Hein. Mais ça vous manque ou pas? Un petit peu, parce que c'était assez drôle, quoi. Il y avait des acrobates, il y avait des... En parallèle, il n'y avait pas que de la chanson. Une chanson qu'on ne chantait plus.